Et bonjour tout le monde, Soximos, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Alors les amis, pourquoi je peux me balader tranquillement en ville alors que je suis censé être mort aux yeux de tous? Eh bien c'est parce que aujourd'hui je suis en mode incognito les amis, je me suis déguisé puisque on va mener une opération de grande envergure. La dernière fois on était allé dans les sous-sols encore de Dimitri et on avait découvert qu'il avait fabriqué une fusée. On sait pas ce qu'il y a dedans, si c'est une fusée pour aller dans l'espace ou s'il y a des trucs nucléaires et tout, mais aujourd'hui on va la saboter les amis. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis. Et avant toute chose aussi, n'hésitez pas à télécharger le jeu MechWars qui est dans la description. Vous savez, le jeu préféré de Diego les amis, c'est un jeu de combat de robots trop stylé et ça permet de me soutenir. Donc pour tous ceux qui n'ont pas téléchargé MechWars, eh bien n'hésitez pas, c'est un jeu mobile qui est totalement gratuit les amis. MechWars dans la description, let's go les potes, c'est ultra important. Donc les amis, je compte vraiment sur vous, en plus de la boue, etc. Bref, du coup les amis, comment va se dérouler le plan? Aujourd'hui le plan est simple, je suis déguisé pour pas me faire repérer puisque on va retourner chez Dimitri, et retourner chez Dimitri sans être déguisé, là c'est le risque assuré qu'il nous tombe dessus et qu'il voit qu'on n'est pas mort. Donc là, on va aller à l'intérieur de sa fusée, ou autour, on va la saboter, on va se tailler. Et en plus de ça, je serai pas tout seul, les amis, je serai avec Valou. Valou qui est, que je vais aller chercher, les amis, je lui ai expliqué mon plan. Il sait qu'il a quelque chose à faire aujourd'hui, mais pas quoi, donc on va aller voir. Donc les amis, là, j'espère que le plan, il va bien se passer. Franchement, si ça se passe pas bien, là, on est finito. C'est pour ça, là, je suis en mode... Je suis en mode incognito quoi, je suis en mode détective privé les amis. En tout cas détective privé c'est pas exactement ça, je suis plutôt saboteur. Je suis plutôt un terroriste aujourd'hui on va dire, mais c'est pas exactement le mot. Valou, Valou, Valou. Bonjour monsieur. Ouais Valou, ça va ou quoi? Vous êtes qui vous? Je suis un incognito. Bon Valou, ça va ou quoi? Je peux faire quelque chose pour vous monsieur? Ouais Valou. Ouais Valou, t'inquiète, aujourd'hui j'ai prévu un plan. T'inquiète, on non, va... Non mais je sais pas qui vous êtes monsieur, enfin... Mais c'est moi, c'est Oximos. Bah non, vous, enfin Oximos il ressemble pas à ça, je suis désolé, enfin je mais sais que là c'est le matin, mais... Non, il ressemble pas à ça. Mais Valou, c'est moi Oximos, attends, si tu veux, je... Attends. Attends, tac, c'est quoi? Hop, voilà, Ah bah non, tu me reconnais... Alors tu dois me reconnaître. Mais c'est moi Oximos, tu saoules aussi là. Tu saoules. C'est moi Oximos. Je vous connais pas monsieur. Oh les Dimitri et l'argent qui te filent là tout le temps. C'est bon, tu sais, c'est moi maintenant. Mais monsieur, mais allez voir si j'y suis là-bas. Je sais pas qui vous êtes moi. Mais arrête Valou, t'as un coup dans le nez ou quoi? Mais non, j'ai rien, c'est le matin là. Mais oui c'est le matin, bah oui justement je te demande. Mais Valou, c'est Oximos, c'est bon. Oh, je te prépare un plan aujourd'hui là. Pour aujourd'hui, on a un plan pour Dimitri, pour saboter les plans de Dimitri. C'est sûr, c'est toi. Hein. Mais qui d'autre sait les trucs, tout ce qui se passe avec Dimitri à part le vrai Oximos? Attends, c'est quoi mon alcool préféré? Le pastis? Le 51? Oui, c'est bon. Bon, bah voilà. Bon, non mais justement, je suis déguisé en incognito aujourd'hui. T'as vu, j'ai pratiquement le même chapeau que toi en plus. On a pratiquement. Ouais. Je l'ai pris à la foire fouille, comme toi. Je l'ai chopé à la foire fouille. Non, en vrai, Valou, la dernière fois, j'ai découvert que... Je sais pas si t'en as parlé, mais le docteur Dimitri, il a une fusée. Il a un pas de tir et tout. Ouais. Et en gros, là, aujourd'hui, il faudrait le saboter. Donc c'est pour ça que je me suis déguisé en incognito au cas où il me crame. Il voit pas que c'est moi. Mais t'es fou. Comment ça, je suis fou? Mais c'est super dangereux. Eh Valou, tu vas pas commencer à me zaf. Tu t'enfiles tes bottes. Ah, au moment où il débarque, Guillaume, t'étais fou, toi. T'étais complètement secoué dans ta tête. Tu enfiles tes bottes et let's go, on y va. Il faut saboter la fusée pour pas que... Non, là, tu rentres chez toi et non, mais t'es malade. Comment ça? Mais non, mais imagine, il lance la fusée et elle tombe sur nous. C'est finito. Nous, on est fini. Non, mais à tout moment, il débarque. Bah oui, c'est pour ça que je me suis déguisé, moi. Non, moi je viens pas. Je le connais pas. Mais toi t'inquiète, il te fera rien s'il te voit dans les couloirs. Non, je viens pas.
T'as pas interdiction d'aller chez lui? Non, mais même. Enfin, déjà qu'il m'en a vaguement parlé. Oui, ouais, t'as rien à faire là-bas, quoi. C'est, mais moi aussi, j'ai rien à faire là-bas. Bah ouais, bah non, c'est trop dangereux. Oh, bah écoute, au pire, tu sais quoi? Reste ici, parce que c'est vrai que c'est pas plus mal, vu que toi, il faut pas qu'il perde ta confiance. Imagine, il te crame. Toi, tu... Ouais, ça... Oui, bah oui, c'est pour ça que je te le dis depuis le début. Oui, bon, bah voilà, on s'est compris au moins. Mais au pire, tu sais quoi? Bah là, au moins, je t'explique ce que je vais faire. Donc, du coup, il faudrait que tu me dises quand il va partir, etc. Moi, je vais rentrer à l'intérieur, je vais essayer de saboter la fusée, et après, je ressors par l'eau. C'est au plein milieu de l'océan, là-bas. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais, c'est bah, par les sous-sols, faut passer, je crois. Et... Ouais, c'est par les sous-sols. Donc, ouais. Bah, de toute façon, j'y suis déjà allé. Et en plus de ça, je sais pas si t'es allé voir, mais avant ça, il y a des égouts. Et encore avant, il y a une prison avec chacun de nos noms sur chaque cellule. Ah ouais? Et il a Ah, récupéré c'est les fou. bouts de Boris. Ah, ça, j'étais au courant, ça. Et ils sont dans la cellule. Donc, il. Mais il va faire quoi avec? Ben je sais pas, mais au début il les avait dispersé les bouts de corps de Boris dans des coffres dans toute la ville. Là, il les a récupérés, on n'a même pas vu. Bref, du coup ça on verra plus tard. Le plus important là c'est d'aller voir dans le pas de tir de la fusée. Écoute, moi j'y vais et au pire toi on arrive à communiquer, ok? J'ai mon Ok, je... téléphone. Ouais, je t'appelle si je vois du mouvement ici. Ouais, t'inquiète. Go, bah c'est Fais parti, moi gaffe, je... hein. Ouais, t'inquiète, y a pas de souci, y a pas de souci. Ok les amis, donc c'est parti, on va aller, on y va, on va aller par là, et on va remonter après par l'endroit de la fusée, comme ça on va faire une boucle, hein. On va aller par là, on va aller dans ce sol, et on va repartir avec un bateau et tout. Donc là les amis, on va saboter une fusée, je sais toujours pas ce qu'il y a dedans, hein. Je sais pas si dedans il y a des bouts de Boris, s'il y a le corps de Bertrand, s'il y a une ogive nucléaire, on sait pas, on sait pas. Mais j'ai pas envie de savoir limite. Si on le croise, on court, les amis. Si on le croise, on court. Et let's go, on y va, on descend par là. Normalement, c'est l'endroit où il remonte, mais tant mieux, on pourra le croiser vite fait s'il y a un souci. Ok. Ok. Donc let's go, les potes. Je stresse là. Je stresse de ouf. Bon, les amis, let's go, on y va. Oubliez pas, en attendant là, comme d'habitude, le tunnel est hyper long. Le petit pouce bleu. Le petit abonnement, si ce n'est pas encore fait. Le petit commentaire, vous connaissez la chanson, les amis. Petit commentaire, voilà. En plus, c'est bon, on est tranquille, on se prend pas la tête. Il faut faire attention, de toute façon, on est en mode incognito. Il ne reconnaîtra jamais, vous avez vu. Si déjà, ça marche bien, parce que si déjà Valou, il nous a pas reconnus, c'est déjà une bonne chose. Bon, Valou, c'est pas un très bon, c'est pas un très bon exemple, puisque lui, même si je suis mal coiffé, il va pas me reconnaître, vu qu'il a, dès le matin, il prend du 51, le gars, donc il s'arrête jamais. Vraiment, à chaque heure du jour et de la nuit, il s'arrête jamais. Ça me fait tousser carrément. Il me rend malade, ce type. Alors, c'est bon, ok. On est là. On va ici. Et là, faut faire attention, les amis. Chut. Arrêtez de tousser, les amis. Oh! Ok. Il y a encore. Regardez. Oh, il n'y a plus le panneau de Boris. Grand-père. Diego. Nils. Valou. Regardez, il y a Valou. Donc, en fait, il comptait l'enfermer. Je l'ai pas dit à Valou. Mais j'avais. J'étais pas sûr. Mais en fait, il y a vraiment un piège pour Valou. Donc, ça veut dire que Valou, il aura beau aider le docteur Dimitri, qu'à la fin, il sera quand même enfermé. Faudra le prévenir, ça. Gertrude, je sais pas, et Oxymose, voilà. En tout cas, il n'y a pas Bertrand. Il n'y a pas Bertrand, c'est tout ce que j'ai noté. Et il y a Boris qui est là, et il n'y a pas son panneau. Donc, à mon avis, ils vont jamais se faire enfermer ici, eux. Et je sais pas c'est qui Gertrude en vrai. Bon, du coup, on y va. On y va, les amis. On va par là, et. Je stresse. Soutenez-moi, les amis, en commentaire, max de pouces bleus. Téléchargez mes Quarz dans la description. C'est important. Je me build 100% gratuit. Ok. Il n'y a personne. Ok, les amis, j'ai préparé tout pour faire péter la fusée. C'est vraiment la fusée de Tintin, le bail. Donc, déjà, on va mettre une échelle pour se barrer vite fait au cas où. Là, si on se fait cramer, on peut se barrer très vite. Tac, 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 tac. Voilà, on pose jusqu'en haut, les amis. Il n'y a pas de souci. Après, on va poser le bateau. On redescend, on pose les TNT.
Et après, voilà, on regarde si tout est secure. Ça va être incroyable, les amis. Ça va être incroyable. Je stresse, je stresse, je stresse, je stresse. Oh là 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 là, les amis, c'est un truc de dingue. Ok. Ok, ah ouais, l'île, elle est pas très loin, en fait. On va poser le bateau ici. Alors, attendez. On va poser le bateau là. Faut faire attention parce qu'il faut casser le... Ah oui, d'accord, il faut peut-être faire une plus grosse plateforme. Non, il faut faire encore une plus grosse plateforme. Tac, tac, tac. Ok, pour poser le bateau. Oui. Merde, je suis trop bête. Je suis trop bête, les amis, attendez, je suis trop bête. Mais en fait, il faut que le bateau, il puisse aller dans l'eau aussi. Comment ils font, sinon, pour le mettre à l'eau? Voilà. Donc là, il y a le bateau. On va le mettre à l'eau, les amis. Oh purée, c'est un bateau de gangster, ça. C'est les Zodiacs qu'il y a dans les trucs de gangster. Ok, alors c'est bon, il fonctionne ou pas? Ok, il fonctionne bien. Ok, on le met là, comme ça on n'a plus qu'à sauter à l'intérieur comme des comme des narcotrafiquants, les amis. Et là, c'est parfait. Et c'est parti, on est directement en direction du truc. On descend. Et on va aller voir un petit peu là. Avant, est-ce qu'on chope un bout du corps de Boris, les amis, ou pas? J'aimerais bien choper un bout du corps de Boris pour faire chier Dimitri. À mon avis, s'ils veulent réanimer, il faut qu'il ait toutes ses chances, les amis. Donc on va aller chercher un bout du corps de Dimitri avant que du corps de Boris avant qu'il soit trop tard. Voilà, les amis, let's go. D'ailleurs, j'ai toujours pas d'appel de vol, donc ça veut dire que tout est bon. Ok, on vole quoi? On vole ses jambes, ses yeux. Je pense que si on lui vole un œil, ça suffira et ça prend pas beaucoup de place. Ok. Oh, merde, j'entends du bruit. J'entends du bruit. J'entends du bruit. Les amis. Oh, merde. Oh, il est là. Il est là, vous l'avez vu. Ok, les amis, il est là. Regardez, il est là. Il est là, Dimitri. Merde, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu, les amis. Il est là. Vite, vite. On se barre, on se barre. Casse-toi, Dimitri. Merde, j'aurais pas dû parler. J'aurais pas dû parler. Bah, ça va, ça a résonné, il a pas trop entendu. Vite, 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 vite. J'ai pas eu le temps de mettre les TNT, merde. Merde, je vais mettre des TNT là. Comme ça. Comme ça. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai mis des TNT, les gars. Attends, je vais en remettre. Je vais en remettre. Allez, au moins, ça botte un max. Allez, go, 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 on n'a pas le temps. J'espère qu'il verra pas. Ok, on est bientôt en haut, les amis. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Merde, 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 merde. Chut. C'est bon, je suis incognito, il me reconnaît pas. Il me reconnaît pas. Il monte aussi, mais c'est un taré. C'est un taré. Vite, vite, vite. Oh. Allez, go, 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 on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. On se taille, on se taille. On se taille. Oh purée. Ouah, la chance qu'on a eu. Oh, la chance qu'on a eu, les amis. On se taille, on se taille, on se taille. Merde. Ouah, 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 quand j'ai chaud. Oh. Heureusement, les amis, que je me... Oh là là, heureusement que je me suis déguisé. Il m'aurait cramé sinon. Oh merde alors. Oh, oh là là, j'ai mon cœur qui bat à 1000 à l'heure. Oh purée. Les amis, vite, 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 on se barre, on se cache, on se cache, on se cache, on se cache. Ah oh, merde, il a vu les têtes, il a tout vu. Merde, ah oh, purée, mon plan, il est tombé à l'eau, les amis. Oh, Valou, il a bien fait, les amis, Valou. Il a tellement bien fait de dire de pas venir, parce que là, on se serait fait cramer tous les deux. Oh merde alors. Oh, le plan est tombé à l'eau, les amis, je suis dégoûté. Merde, merde. Les amis, proposez-moi d'autres plans en commentaire. Il faut absolument qu'on trouve des solutions. Nous, en tout cas, on va remonter dans notre planque. Et j'espère qu'on s'est pas fait cramer en tant que Oxymos. J'espère que, voilà, il nous a pas reconnu, les amis. C'est le principal, c'est qu'il nous ait pas reconnu. En tout cas, je l'espère. Bref, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de télécharger MechWars dans la description, les amis. C'est très important, c'est un jeu totalement gratuit, les amis. MechWars, c'est un jeu de combat de robots. Et si vous voulez m'ajouter, Oxymos, voilà, tout simple, Oxymos YT, comme sur tous mes réseaux sociaux, Oxymos YT. Voilà, ça, comme ça, on fait des combats de robots tous ensemble. Les amis, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao, ciao.